Bon rapport ULCC qui dehors là, gen une question de rapport l'ONU qui a parlé, mais kounya là on regarde bien rapport ULCC yon, qui est important dans moment parce que pour journée qui c'était jeudi 23 novembre 2023 gagne un commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Jean-Edler Guillaume, qui posait la patte, son certain de Stéphanie Modestin, lui-même qui c'était exactement, mais directrice adjointe et ONA, qui c'est Office National Assurance VS, les qu'on connaît, n'ont qui autant de scandales de corruption, non, on a cité dans le rapport ULCC1, l'aime dit non, on a cité, m'a parlé de, directeur, James Léger Baptiste, alors on encore, et ancien député Alfredo Antoine Junior, qui ont ensemble de noms qui citaient de anciens députés, de anciens sénateurs, de anciens moun qui passaient dans l'État comme de fonctionnaires d'État qui impliquaient dans des scandales de corruption. Non, pour ça, moi, je dis que ce n'est pas moi-même seulement pour parler de corruption comme journaliste, comme directeur d'opinion, mais bon, malgré un acteur qui lui-même, qui toujours prend des positions publiques à travers des médias dans la question de corruption en un pays. Du messieurs, son sur les pour avec nous sur mes 5 nouvelles. Merci, M. Blaise Peterson. M'a salué auditeurs, auditrices, internautes qui branchent et mes nouvelles. Mm-hmm. Et si on plaisir pour moi avec vous, ça fait quelques jours que nous attendons, mais quand même, je dis moi-même, encore une fois, nous avons plaisir pour nous parler des questions pays, ça qui fait l'actualité des questions corruption. Là. On a commencé avec la première question et du Messonson. Et comment est-ce que son rapport ULCC, hein, parce qu'il y a des gens qui qualifient et comme des rapports politiques, il y a des gens qui disent, par rapport, bon, là, on a été coiffé d'Antoine Junior, lui-même t'a pointé du doigt sous chef cabinet et pouvoir en place, non? Et, ou même comme organisation, comme Estriti, qui dit tout, voilà, c'est brigade syndicale anticorruption, d'abord, qui première réaction sous rapport ça et mettez sous arrestation Madame Stéphanie Modestin. Et normalement, nous-mêmes, par rapport à ce qui ça que nous avons fait nos commissions, et vous êtes syndical qui pour une structure qui est capable de porter un petit plus par rapport à ce qui est dénonciation, ça qui a passé, dérive, nous connaissons qui vient l'administration publique là. Donc, les nouveaux USCC qui seront institutions étatiques, qui prennent responsabilité parce que pas oublier que le pays s'allume depuis l'existence, et son pays, nous connaissons tout le monde qui occupe des fonctions. Il n'y a pas jamais essayé comme si... Et bon, nous essayons de tourner avec exactement qui c'est. Et Dumé Sonson, qui est même gentil, qui c'est exactement, et coordonnateur général brigade syndicale anticorruption, avec question rapport ULCC, mais pas seulement rapport ULCC, hein, mais rapport ça qui commence à être action posée là-dedans, à arrestation, madame, et m'gabab dit la Stéphanie Modestin. Où t'as dit à l'heure, et Dumé Sonson? Oui, effectivement, nous connaissons très bien que le pays a depuis l'existence, toujours conseil des gens qui occupent des fonctions. Normalement, à chaque fois, pour que nous connaissons conseil de développement par rapport avec conseil des secteurs, de nous garder nous pays, ça, il n'y a jamais qu'à avancer et de jour en jour, le pays a les deux mal en pire. Donc, je dis, là, nous connaissons ULCC depuis l'existence, nous connaissons à partir de 2004. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs administrations et qui passe dans la tête, mais je dis à là, nous connaissons à travers l'administration ça, il y a un CD qui fait, malgré un pile fois, il y a des efforts qui sont faits, mais l'autre acteur, l'autre institution républicaine, n'a pas jamais pris responsabilité par eux. Et c'est dans le niveau ça, nous-mêmes, au niveau des brigades syndicales anticorruption, là, nous voyons que l'ULCC sorti un rapport qui indexe un CD monde. Donc, jusqu'à date, nous-mêmes, nous saluons le rapport ça, et juste, et par rapport avec il faut nous connaître qui fait sur question ça et nous demander que pour société en général différentes institutions que ce soit la justice pour prendre responsabilité par au niveau par eux. Donc c'est dans ce sens ça nous-mêmes nous apprécier rapport à, et justement nous pas dit que le fait que un rapport qui sorti qui indexe on sait des monde qui était occupé on sait des fonctions ça veut dire que monde n'est pas coupable. Mm-hmm. Mais nous penser que par rapport avec GFOS ça qui fait son démarche pour que nous-mêmes nous apprécier pour différentes institutions, différentes organisations communautaires pour toute société apprécier et l'autre institution qui a une responsabilité pour regarder qui ça qui dit par rapport avec ça et reprocher nous et nous penser que tout le monde nous a indexé dans la question rapport ça nous a supposé eux-mêmes et soit ils collaborer avec la justice pour prouver que si yo même yo innocent ou bien ça que yo reproché yo pas fautif,
Donc pour la justice blanchir aussi toutefois qu'il y a des bagages qui ont vérifié que yo même yo coupable de ça reprocher laisse ça pour la justice même lui fait travailler pour que sanctionner ça qui mérite sanctionner. Donc nous-mêmes et nos premiers temps nous vraiment voyons beaucoup de chapeau pour l'administration UNCC qui vraiment voyons l'autre signal par rapport avec ça qui a passé dans la question gestion et de garantie des institutions publiques dans le pays. Bon, je garde ça avec vous et Jimmy Sanson sur question rapport ULCCA, mais avant même que vous regardez quelques institutions, surtout avec, par exemple, regardez l'ONA, regardez le Parlement haïtien, regardez CNE, regardez ou ensemble de l'autre institution que exactement que dans le rapport ULCCA, c'est 11 rapports d'enquête que vous menez, sous ensemble de parlementaires, tout qui peut être, et qui vous même, qui dans la question des classes patrimoniaux, dans la question ensemble de bien que vous même vous gagnez l'autre entrée dans l'État et l'absorption dans l'État. Bien avant ça même, et sur son dumé, l'autre dit tête ou que, parce que je dis, en plus, monde dit tête, yo, n'a plus gros ennemi, ça n'a pas brûlé, et avancement et l'État ou bien institution étatique, yo, c'est question corruption. Est-ce que selon vous même vraiment, et dumé et original, à dumé sur son pardon, est-ce qu'on dit tête ou vrai, question corruption en dedans de l'État, yo, c'est un plus gros ennemi handicap dans la question, et le développement, l'État, mais rend l'État, ou son l'État qui fort, ou mon l'État qui serviable. Et nous pensons que justement nous capables de dire ça parce que Pabli, pays ça, depuis lorsque nous connaissons, et puis il y a tout, et nous sommes capables de dire comme une nation, nous devenons une nation qui pouvait avancer, toute autorité qui passait, tout dirigeant qui passait dans tes pays, et puis il n'y a pas de l'État ça toujours. D'une jour, nous avons des jeunes par rapport à la mauvaise gestion des gens qui occupent des fonctionnaires pays. Tout jeune, presque, nous sommes capables de dire environ 70-80% de jeunes ont quitté le pays pour aller chercher la vie mieux de l'autre côté. Nous avons un paquet de fuites de cerveau, un paquet de gens qui ont plus de capacité, le pays a fini d'investir dans eux, et puis, ils n'ont pas qu'à vivre dans le pays. C'est par rapport à la mauvaise gestion qui autorité qui occupe des fonctionnaires pays à faire avec le pays. Donc, nous connaissons, je dis à la, nous pas qu'à parler de l'université. Nos niveaux, côté qui est capable vraiment, et nous capable de comparer avec même la République dominicaine, pas aucune université ici, nous capable de comparer. Et pays a, comme si même nous devons ensemble d'infrastructures, pays a pas gagné. Je dis à la même sous question, et si nous avons parlé d'agriculture, nous, ils vendent peuple haïtien, c'est sous compte à l'étranger, même République dominicaine par rapport avec les mouvements, ça, où est population africaine qui sont canal, la construction canal là, où est qui, et j'ai fort que le gouvernement dominicain fait pour qu'il ait campé projet ça. Donc c'est ça qui montre que l'État tellement pas jamais prend responsabilité. Le monde qui occupe un conseil des fonctions, il est tellement à faire corruption, donc il n'y a pas jamais comme si c'est des autorités qui pour servir la population, au contraire ses amis, ses frères, ses familles, ses servis. Donc ça prouve que je dis à la question corruption en lui-même, mélangé avec ça que l'impunité, parce que non seulement corruption en lui-même lui a fait rage dans toute administration publique là, mais ça que l'impunité en tout, c'est lui-même qui règle là. Donc là nous connaissons que lorsque vous dénoncez un monde, vous indexez l'ensemble de rapport plusieurs fois, et puis vous pas jamais la justice lui-même pour le faire suivi avec dossier ça. Donc c'est ça qui est un problème là. Donc je ne veux dire nous penser que le rapport ça ou bien ça qui t'a prouvé que monde qui ont qui vont essayer de fonctionner dans le pays, yo même pas vraiment, il bail résultat. Donc, en pile fois, yo fait corruption. Donc, et ça, nous-mêmes, nous capables de dire, oui, effectivement, c'est question corruption, impunité, lui-même, qui cause le pays, lui-même, lui, pas qu'à avancer. Bon, moment de ça, Jimmy Sanson, on garde quelques institutions de dans le pays. Parce que pas oublier que, il y a des institutions là, qui citent dans le rapport ULCC, hein, et il y a des gens qui gardent des institutions ça, comme des institutions, c'est comme d'adiler, c'est là, même corruption chita. Vous comprenez? Ça veut dire que, m'a dit comme si que, et si m'a fait un examen baccalauréat, et si m'a passé un concours, ou si est certain que, gen de institution dans le pays là, m'a bon menti, ou tap lauréat combien de fois dans l'examen ça. Tellement que, corruption ta e banda en de l'institution ça yo. Par exemple, si m'a le parlement haïtien, je dis à l'autre du parlement haïtien, alors, comme qu'on n'a pas gagné, alors, l'institution, le parlement haïtien, l'y existe, l'y là, mais en termes de fonctionnement par rapport avec, parlementaire, pas gagné dans le moment, quitte à rendre que parlement lui-même, lui, en fonction, mais l'institution est là, mais, l'organe des parlements, parce que l'organe des jeudi, hein, dans le rapport ULCC, hein, gagné un ensemble de sénateurs, soit que t'es gagné machine dans Meyo, soit exemple, Garcia Delva, ou parler de Joseph Lambert, ou parler de Wani Pierre, ou ensemble de nègres, jeudi, hein, l'organe des parlements haïtiens,
Est-ce qu'on dit tout parle haïtien vraiment notre travers enquête que nous-mêmes à travers brigade syndicale anticorruption que nous menons? Et est-ce que dans quel niveau le parlement haïtien lui-même dans scandale de corruption que m'a regardé rapport hier c'est ça seulement non mais dans quel niveau scandale de corruption se t'a metté parlement haïtien dans travers enquête que nous-mêmes à travers brigade là que nous menons le parlement lui-même lié? Bon, parlement haïtien, malheureusement, yon institution de capable son institution républicaine qui t'a supposé jouer un rôle pour te non seulement veiller sous action gouvernementale par rapport avec gestion gouvernement a fait avec trésor public là, et nous venons comprendre que en pile fois il y a des chantages qu'a fait au niveau du parlement au lieu pour veiller et ça qu'a passé dans niveau gouvernement et ouais en pile fois yon rentré non c'est des connivence avec le gouvernement pour que il y a des corruptions qui fait. Pas oublier que en pile fois acclame public dénoncer ça qui a passé on sait des dérives dans le parlement à chaque fois pour la justice lui-même il fait travail lui donc il voit quoi même encore il a une façon il y a le traité avec on sait des éléments dans le système judiciaire pour que on sait des dossiers qui classé sans suite. Donc nous pensons institution ça son institution qui vraiment qui t'a mérité pour regarder question ça non seulement et à travers l'autre, il est capable de dire constitution pour essayer de garder qui sont pouvoir, ça y a bayo, qui sont immunité en tout ça. Donc, lorsque on sait des dérives, on vérifie, et on sait des mouns qui participent, non sait des dérives, on sait des cas de corruption pour que eux-mêmes, on dénonce, pour que la justice lui-même prenne responsabilité. Et c'est pas seulement là, et parlement, s'il veut garder la justice en soi. Et non seulement nous connaissons la justice lui-même est composée de plusieurs identités et entités. Donc lorsque yon même yon pas jamais prend responsabilité yon, par rapport avec conseil des dérives qui a passé dans la société ya, et que yon même yon toujours a essayé blanchir conseil des monde même dans niveau question kidnapping dans conseil des monde lorsque yon t'a trouvé que yon trempé non c'est des actes et le kidnapping tout ça facilement ouais juge libéré. Donc c'est tout un série de chaînes plusieurs institutions qui trempent dans la question ça parlement lui-même à chaque fois il y a des moules ou bien des institutions qui indexent ou qui ont des dossiers ils mettent dehors et puis deux trois jours ou tant de dossiers ça les mêmes classés pas grand qu'un suivi qui fait je dis c'est pour que on t'a même t'a jugé ça qui condamné ça. Donc parlement sont nous déclarons son espace qui vraiment il y a un pile corruption qu'a fait là-dedans. Donc nous pensons que dans réforme ou l'autre constitution pour pays il faut que on t'a regardé question pouvoir limite pouvoir que nous qui occupent fonction ça que ce soit député ou bien sénateur pour que on t'est capable garder lorsque on dénonce on sait des cas de corruption dans niveau parlement pour qu'il poursuive mon travail sans que contrainte pour qu'il y ait des lumières qui cachent dans niveau ça. Mais ou pas se savoir que Jimmy Sonson que en pile froid si que bon, si me cite des séries de même propre parlementaire soit comme des députés ou dimanche comme des sénateurs qui comme même comme a dénoncé de collègues parlementaires pareil parfois les bureaux votés soit les déclarations et une déclaration politique générale disons bien et soit un gouvernement c'est soit c'est de combien millions de gouttes qui ont avec un ensemble de parlementaires et me songer récemment t'es gagné et mettre Caleb Jean-Baptiste qui t'a déposé au niveau parquet Port-au-Prince contre un ensemble de sénateurs qui ont même songé t'es voté et qui t'a bailler la mode vote au niveau pour te passer dans le parlement. Est-ce que ça dit que tu mets son le dit parlement haïtien son véritable corrupteur son véritable corrompu qui en dedans parlement? Eh bien oui, justement les nous garder et question ça lorsque ils dénoncent il y a des monde qui vraiment tant par exemple les nous ouais sénateur Anakassis lui-même lui fait dénonciation quoi que lui-même tout lui d'accord qu'il était participé dans niveau en l'autre parce qu'il dit il pas prend l'argent lui-même mais il demande pas l'argent mais il te prend poste il demande poste il demande poste. Donc ça vient faire que moun là il montre que en dans institution c'est corruption prouvé. Récemment sénateur et William Joseph lui-même lui dénoncé on sait dit d'autres collègues lui non seulement lui encore réaffirmer question vendre poste on sait des bagailles qui fait dans un niveau gouvernement parlementaire toujours à penser des postes mais commencer des dérives tout qui a passé et ou pas jamais
conseil d'éléments dans le système judiciaire en fait appel avec nous pour questionner pour demander qui s'est passé par rapport avec dénonciation ça yo. Donc c'est une situation qui a passé dans le parlement nous même Jean nous dit c'est question impunité en lui-même qui plus grave parce que la justice lui-même pas joué rôle et nous même nous ta même croire que il ta nécessaire pour ta une réforme en profondeur qui fait dans niveau système judiciaire là parce que si la justice lui-même n'est pas vraiment indépendant, n'est pas vraiment fait travail, tout ça qu'on a fait là, tout exercice que l'USCC a fait là, il n'y a pas pour des résultats. Donc c'est la justice lui-même qui prend responsabilité pour permettre que vous fassiez les questions corruption, hein, pour que ces questions impunité en l'existence, pour que nous, ouais, et non, deux, trois décennies encore pour que le pays a les mêmes partitions l'autre rail par rapport avec l'autre décision qu'a pris. Léon Moun connaît l'usine, occupe un conseil des fonctions pour que vous connaissez ces populations pour le bail service. C'est pas tête par eux, c'est pas zami par eux, c'est pas famille par eux pour le bail service. Les ça, si vous violez les principes, ça, c'est qu'on a dit, n'a pas pris de eux, mais n'a pas mis de sous place publique, les consa. Ou dis-moi, est-ce que les ça, la justice a connu les mouns ça qui viole ensemble de principes, ou bien, et régalienne l'État qu'elle t'a de respecter et pas respecter les ça. Ce qui s'est comme ça, c'est que, dans la réforme l'État, dans la réforme système justice, payant les soins, on doit parler là, qui je pense que tu es capable de mettre des sanctions, des balises par rapport à qui sont ça. Bon, par principe, la justice est supposée indépendant. Par bien, je dis à la même pour un budget qui pour CSPJ gagne, par exemple, jeune pour permettre juge même pour le bail tout ça au besoin. Parce que sur mon système judiciaire, côté que juge même, ça y a bail comme ça, l'air, il n'est pas représentable. Donc, on considère que les juges, par exemple, il a payé environ 50 000 gouttes. Bon, ensemble des accompagnements sociaux, pas bail. Ça veut dire, juste ça, il facilement, il y a des gens qui ont des millions de dollars. Par exemple, il y a des gens qui disent, je dis, alors, vole, pas seulement vole, peut-être, il faut voler pour juger en tout. Donc, par exemple, les nègres venus, qu'on a sous base chantage, côté qu'ils laissent juger en guettant, comme si ils invitent un dossier de corruption et puis il passait à côté de chercher des moun qui ont des contacts avec juge ou bien des avocats qui négocier avec juge pour lui qui ba juge environ 100 000 dollars américains qui ba juge on sait des moyens balikay tout on sait des bagages si nous t'avons les fonds font tirer avec sur dossier Petrocaribe regardez comment le dossier ça passé parce que juge Ramon s'est accimé les nous connaît que il était gain responsabilité pour te faire lumière sur dossier ça mais plus fort moun qui était gain fond Petrocaribe ça nous venons de renoncer des chantage en bataille avec lui jusqu'à ce que le dossier ça le dossier a tombé à l'eau. Donc nous même nous croyons que je dis à là même si nous même nous pensons que le système judiciaire a mérité une réforme mais faut que justice et la justice vienne indépendante. Donc c'est pas comme si même les abdon budget c'est gouvernement c'est à partir du conseil des ministres ou bien c'est président qui pour comme si dit mais qui gens ou bien ministre finance qui dit mais qui budget y a bail et la justice. Donc ça veut dire faut la justice même indépendant même commissaire gouvernement yo ou dis-moi si yo carré les on l'autre non si c'est préfet ou bien l'autre non parce que l'autre dit c'est commissaire du gouvernement li revient directement du politique et il est capable dire gouvernement li a mené dans système judiciaire là laisser un ministre justice cap nommer commissaire gouvernement c'est lui même qui nomme c'est lui même qui doit révoquer tout ça veut dire l'a besoin utiliser pour faire chantage régler affaire politique il a utiliser donc c'est ça fait que nous pensons bon on réforme profonde de fait un système judiciaire là non seulement pour un bon budget qui revient comme si capable de répondre avec tout besoin système judiciaire là mais faut question commissaire gouvernement par contre qui vient nous parler l'île mais afin que ces ministres justice qui pourront cap nommer moun sa yo on est capable de dire dans tête paquet là qui vient dire que moun sont pas indépendants ça veut dire nous besoin une justice qui fort qui pour permettre que vous fait travail yo sans que pas dans quelle contrainte qui capable permettre que après les fin bon moun pour que il y a mené enquête sur ou bien il veut tendre dans cadre dossier pour gagner des moun ministre ou des présidents pas venir appeler les vous a dit comme ça dossier ça classé c'est moun pa donc tout ça yo ça veut dire fond questionner on pense qu'il travaille bataille contre corruption c'est toute société à lui même qui pour soulever et ça fait nous même nous saluer rapport hier c'est ça et nous pense que faut toute société à encourager ensemble de l'autre institution régalienne ensemble institution qui fait partie des communautés pour accompagner l'USCC dans le travail qu'elle a fait
pour que ce travail ça porte fruit. Ça veut dire pour nous-mêmes et du méchant, son plus gros élément sans besoin pour mener bataille contre la corruption dans le pays, lycée d'abord, rien que justice, nous en a parlé là, son justice qui est indépendante et qui pas prend dictée, mais quel que soit mon que lié, et quel que soit les petits gens, ou volent en cabrit, ou que même soit avec un monde qui volait et qui volait comme l'État, ça veut dire la justice en Haïti a de une justice qui est indépendante et pas de une justice de poids et de mesure selon nous-mêmes. Ça, c'est le premier bagage qui est capable de faire que nous menons bataille contre la corruption de l'État. Quel que soit négatif président, lié impliqué dans les scandales de corruption, la justice a de tendre, quel que soit le premier ministre, il était ministre, directeur général, il était sénateur, il était député, il était au magistrat saltéen, mais depuis que soupçon de corruption sous nul, selon Jean-Dien, là, selon nous-mêmes et Jimmy Sonson, normalement que faut que justice là, il n'y a pas marié dans le pied aucun monde qui est capable de relever le monde ça et pour le monde capable de bailler ça que le connaît et dit avec la justice, la loi, de ça reprocher là, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ça, bagalaï. C'est ça, Louis, parce que je ne veux dire, il est trop facile pour que les bons mounes, ils indexent et puis mounes, pour une raison pour l'autre, ils créent l'autre situation pour qu'ils ne parlent pas de question de la justice. Donc, aujourd'hui, à la même note, de ces questions assassinat ancien président Jovenel Moïse, les nous gardons des anciens ministres à chaque fois. Il juge d'instruction après une enquête et puis facilement il crée un bagage ou bien il dit qu'il n'est pas disponible ou bien il est à l'étranger pour question de raison sécurité, il n'est pas qu'à présenter. Ça trop facile. Ça veut dire si il y a des dossiers qui de la République qui invite au pourtant de si ou même vous sentez que sécurité n'est pas normal, vous demandez pour que vous mettez sécurité ou bien policier comme c'est à la disposition, là vous venez pour que vous allez répondre à la question la justice, juge là, et puis si ou pas fautif de ça qui y a mené enquête là, donc vous rentrez là quand aussi qu'on y a la juge dans l'humain, il a besoin qu'on ait plus. Toujours c'est le compte qui décision la prend. Ça veut dire, je dis à la, nous pensons que faut justice en lui-même, ni ramasser caractère. Ça veut dire, il est vrai que gain fort que l'autre institution a fait à pour l'ULCC. Et nous pensons que il crève tout, DCPJ gagne, il faut pas le faire. Donc nous pensons que tout ça, toute institution, ça, la population lui-même, il accompagne. Et je dis à la, nous connaissons toute institution casée dans le pays. Nous connaissons toute institution casée dans le pays. Nous gagnons seulement la police qui a continué fort avec l'ULCC là, nous, depuis quelques temps, la cap fait un bel effort. Donc nous-mêmes, nous saluons courageux et détermination pour que yo plus ou moins bah une satisfaction et nous pensons que la bataille lui-même fait commencer et la justice lui-même prend responsabilité par ce dossier ça et là nous dit la justice prend responsabilité par nous pas dit c'est quoi le fait persécution politique parce que jusqu'à date tout nous pas on est qui ça qui a fait tout dans le dossier parce que il y a des dossiers où on doit ouais monde qui dans système judiciaire a traité. Nous traitons l'urgence pour une raison pour l'autre, il y a des gens qui doivent indexer qui poche pouvoir, nous traitons l'urgence et puis on l'autre monde qui ont une position politique ou bien qui ont des gens opposés avec pouvoir, nous traitons l'urgence. Donc, c'est ça, nous pensons que pour la justice lui-même, traiter de façon impartiale, ça veut dire monde qui mérite condamné pour condamner, monde qui mérite blanchi pour blanchir selon ça que vous recherchez, selon que vous-même, qui gens qui vous prenez constituer pour défendre tête. Donc, nous pensons que je dis à là, c'est l'autre signal qui voyait et puis à lui-même, il doit profiter de ça, société a dû profiter de ça pour nous chambader le système ça qui là, qui fait que le pays a lui-même, il n'est pas qu'à fonctionner, il n'est pas qu'à avancer, côté que tout le monde, tout jeune, tout le monde se couille pour quitter le pays, côté que nous perdons un peu le cadre, nous perdons un peu le jeune, puis à toute fois que nous pas essayer d'arranger, faire mobilisation, faire solidarité dans le cadre de bataille que l'institution ça voulait mener. Donc, nous toujours pour continuer vivre mauvais moment dans le pays. Bon, je vais une autre institution ensemble avec vous. Et puis après ça, pour nous garder un autre sujet qui peut-être pas de ces corruptions et que l'ULCC a parlé là. Bon, je vais garder une institution qui est dans le site très fort dans le rapport ULCC. Hein? Et c'est pas jodi hein, que de monde a dénoncé des scandales de corruption qui a fait dans le bois. Ça, côté que de nek, et soit, ils ont prêté de l'argent pour n'importe 100 combien d'années. Ils ont fait de proches prêter de l'argent pour n'importe 200 combien année, alors que l'organe de décès de Timale, comme l'argent contribué à bio, qui allait dans le nom, et qui n'a aucun allemand de titre, ça va jamais cabayol, mais on est parce que c'est sénateur intel, parce que c'est député intel, parce que c'est ministre intel, mais parce que y a des rapports avec tel monde, il prête combien millions de gouttes pour des années que n'a pas même connaît s'il a prêté vivant, mais il n'a pas jamais permettre que l'agence a eu, est-ce que n'a pas l'agence a eu, sous nom année que lui-même, il dit que n'a prêté l'argent, ou dit moi, tout bagage ça a eu. L'organe est un boîte qu'on a
qui lui-même c'est l'argent contribué à Bekat Kan dans l'UNA, l'argent si moun qui n'a assuré dans ensemble de bagaille, l'argent ouvrier yo, je dois l'autant des scandales de corruption qui gagnent dans l'UNA, et puis je dis en là tout, je n'ai qui c'était jeudi 23 novembre 2023, côté que commissaire gouvernement Port-au-Prince, non, M. Jean-Edler Guillaume, lui posait la patte sur certains de Stéphanie Modestin, qui c'était ancienne directrice adjointe ONA, Office Assurance Vieillesse. Je dis, hein, Office National d'Assurance Vieillesse, je dis, hein, regardez ONA, et puis regardez arrestation, Madame Modestin Stéphanie, les tout qui ça. De tout ce qu'on entendait, dans le travail enquête de Jimmy Chanson, que l'ONA nous incite dans la corruption. Mais cette nouvelle, bon, pratiquement nous-mêmes, nous pensons que je dis à la, et à partir de l'arrestation Madame Stéphanie Modestin, hein, et qui c'est ancienne directrice adjointe ONA, ça, voyons un signal pour montrer que le travail ULCC fait a mérité une belle félicitation. Et dans le niveau et la justice, nous ne pas on est non, mais au moins, vous pouvez que un effort. Moi, j'ai fort capé ces effets pour que vous plus ou moins fait lumière sur ces cas de corruption. Ça, parce que même lorsque vous pas de en mettre en interdiction de départ, mais si on la justice invite pour le temps de vous, dans environ 4 à 5 jours ou pas 4 à 5 jours avant ça pour gagner à voyager. Donc, ou pas même vous en correction dans ça. Les second urgence, second problème santé, tout ça, au moins vous avez fait une communication à aller joindre les institutions qui concernent eux. Mais on parle même pour qu'une démarche et puis pour ils font les gens pour traverser ça. Vous montrer qu'il est très suspect. Jusqu'à date, nous pas dit que il faut type de ça. Non seulement rapport ou bien de ça, la justice qui a gagné pour le prochain, non, mais ça a une certaine suspicion qui montre que il était nécessaire pour la justice de même faire intervention pour bloquer départ que madame n'a même pas laissé faire. Et à partir de ça, nous connaissons des dérives qui a passé dans l'ONA depuis environ, nous capable de dire, 20 dernières années, ça y est, côté qui en pile fois, il y a indexé, on sait des gens qui sont des gens qui n'ont pas le banc des députés, des sénateurs, qui a pris, on sait des montants d'argent, c'est des gens qui sont dans le secteur privé, des fortes sommes, combien millions de gouttes à chaque fois, qui a pris sous 25, 50 ans, donc qui n'a jamais vraiment répondu. Même dit, ils ont blanchi, près ça, qui fait là. Et nous connaissons comment que l'on a lui-même, il a ramassé comme lui, c'est à partir de, on sait des gens qui travaillent, on sait des institutions, et puis ils ont cotisé pour eux. Ça veut dire institution en lui-même à partir de ça y a payé moun yo, yo prend sou on frais sou moun yo, yo prend frais sou de capable de entreprise pour yo bay pour prendre comme ça, yo cotiser mettre en côté et puis les moun ça besoin prêt ou bien les moun ça revenu de non là, j'ai pas capable encore pour yo tourner comme ça va yo. Mais au lieu pour yo c'est ça pour yo faire, yo préférer prendre l'argent moun ça yo, yo faire des prêts avec mon série de moun qui pas même en plus pas même remboursé. Donc c'est ça fait ouais, on a ces boîte qui viennent très politisés à chaque fois pour nous, mais on sait des monde politique, c'est soit des monde dans parlement ou bien des autres monde qui des rapports avec président ou bien avec secteur privé qui nommé mon dans tête on a qui pour venir conseiller de corruption qui pour venir bailler tout on sait des avantages qui fait que boîte ça lui-même il pas jamais fonctionner. Je dis à là nous penser que à partir des rapports ça yo, il faut qu'il y ait des lumières qui fait sous ensemble de transactions ou bien détournement de fonds qui toujours a fait en boîte à parce que c'est vraiment nécessaire nous-mêmes nous dit encore et 11 rapports ça OK ULCC sorti hein, et c'est un rapport et gens nous capable dire que qui mérite apprécier donc il faut la justice lui-même de prendre responsabilité pour faire lumière sur cas de corruption ça. Bon, Kounia là, Jimmy Chanson, c'est que nous avons fait toute émission sur question et corruption. Je me suis dit que le président Jovenel Moïse, comme je l'ai dit, oui. Par contre, c'est le président Jovenel Moïse, mais si c'est Matéli, je Jovenel Moïse, corruption, tellement ça présent en dedans de l'État, c'est que c'est pigou rongeur, ça n'a pas brûlé le développement de l'État dans le pays. Bon, je pose des questions ça, sur question corruption. Bakon ainsi que wap ka répond ni bakon dans travail enquête brigade syndicale anti corruption s'il mené et me connaît ou même normalement à travers organisme ça que gagne à travers stricti ça ou mené en pile enquête dans question ensemble de institutions étatiques ensemble de boîte l'état non et ensemble de enquête que nous même nous mené que brigade la mené pour zami capitaine de cap gardem là et Jimmy Chanson qui institution étatique ou jeune qui est en tête de liste. Bon, trois premières institutions qui est en tête de liste en question scandale de corruption dans le pays. Dans quelques années. Bon, pratiquement,
pratiquement m'pense que dans l'émission ça nous fait là nous presque touché yo. Par exemple nous gain parlement, c'est une institution nous connaît en pile dérive, en pile corruption à fait là-dedans. Vous comprenez? Donc c'est une institution par rapport si on t'a considéré et lorsque tu gagne une séance qui t'a fait côté que non seulement il y a un chantage qui a fait pour double conseil de l'argent pour acheter conscience conseil des députés ou bien sénateurs dans les pour sanctionner une décalage politique générale différents gouvernements nous ont été désignés comme premier ministre et non seulement ça tout nous connaît il y a une séance qui était fait président et chambre députée à l'époque Garibaudo côté que Garibaudo il était fait tout ça le connaît pour te contraindre le premier ministre pour qu'il te fait et tout ça était venu avec et jusqu'à ce que même après te vienne un scandale qui te parlait de on quantité de millions de gouttes pour faire seulement de l'eau donc ça veut dire à chaque fois on sait des deux qui a passé dans parlement ça et nous connaît combien comme parlement ça coûté de garder l'état et ses trésors publics donc je dis nous pense c'est une institution côté qui guide gain pile corruption là-dedans donc c'est ça fait nous même nous penser que et si grand l'autre constitution qui a travaillé sur l'IFO, ils font réforme en profondeur, question immunité parlementaire, ils font regarder dans notre façon. Et si nous avons gardé l'autre institution encore, nous connaissons qui a un pile d'élèves à passer là-dedans, et bien, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale. Par exemple, pour considérer qu'il y a environ, et le ministère a logé dans plus facile, et 17 espaces, 17 locales, côté qu'il y a des contrats qui ont bail avec le monde, ça aussi des bagailles qui ont fait, sous forme de favoritisme des moun, ou bon, qui pas gagné pour eux, comme si, ils n'ont pas respecté les normes, les questions, nous a dit, appel d'offres, ou bon, c'est des principes, les normes qui peut permettre que les contrats, au fait, ils n'ont pas respecté, ça veut dire, c'est des institutions qui vraiment, il y a des corruptions qui passent là-dedans, à chaque fois, il y a des moun qui prennent courage à deux mains pour dénoncer eux-mêmes, la justice, les mêmes, les pas, j'en prends responsabilité pour faire suivi, et à chaque fois, malin dans lui-même, il pète ou bien, c'est à péter dans le figuier, non encore. De nous prendre un par exemple, depuis combien de temps plus soit, c'est 20 ans, nous connaissons à chaque fois, donc c'est des fonds qui gagnent ou bien cotisations qui nous mieux bah, nous travaillons, et des mondes de gaz qui n'ont ouvrier factory, de l'autre monde qui n'a aussi de l'autre institution de combat et sécurité, de l'autre monde qui n'a aussi des espaces côté qui ont toujours cotisé, entreprise ni mon touché un taxe solide pour cotiser dans l'eau là. Donc, après une période de temps, les rues venons l'âge avancé pour les tabayons sous forme pension, ou bien tout si ils ont petit prêt pour les bayons. Et nous connaissons, nous n'avons jamais bénéficié aucun prêt dans l'eau là. Donc, nous connaissons bien, depuis plus de 20 ans, nous-mêmes, nous connaissons question ça, nous dénoncé. Nous n'avons jamais aucune lumière qui fait sous question ça. Ça veut dire, nous pensons que, et clamer public déjà identifier institution ça qui conseille des dérives qu'a fait là-dedans à chaque fois qu'on en a nous point que c'est la justice qui pour prendre responsabilité pour faire lumière pour freiner qui sont dérives ça qui sont impunité ça qui dans différentes institutions qui gagne dans pays qui fait pays pas avancer qui fait toute jeune yo pour quitter pays qui fait que nous pas vivre dans pays.